Yeah.
Bonjour, bonjour tout le monde, bonsoir, bon après-midi. Allez, j'ouvre un peu, j'ai chaud. Voilà, le vent va entrer un peu. Bonjour à vous, bonjour le Cameroun, bonjour l'Afrique, bonjour le monde entier. Voilà, je commence doucement parce qu'aujourd'hui là, j'ai peur de ce que je vais sortir de ma bouche. Donc vraiment, il faut que je me maîtrise. Parce que les choses que je vois sur la toile, on dit qu'on ne veut pas parler, mais on ne peut pas se taire. Coco argenté, coco argenté, coco argenté. Combien de fois je l'ai appelé? Ça fait quelques jours que je vous parle de coco argenté, non? Voilà que ça a cuit. Voilà que ça a cuit. AfriTube, plateforme. Plateforme de partage de vidéos et de contenu africain. Voilà. J'en profite pour vous en parler. Coco argenté. C'est vous qui avez peur de dire les choses aux gens. Vous devez dire la vérité aux gens. Vous devez dire le vrai nom aux gens. Ta position, ta statut, ton statut social ne t'exempte pas de la morale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es ici dans la pyramide que tu as le droit de chier sur le reste qui est en bas. Vous voyez un peu, non? Voilà. Coco argenté est venu se présenter devant nous. S'il vous plaît, le travail, s'il vous plaît. Coco argenté est venu se présenter devant nous en tant qu'ambassadrice d'AfriTube. Chacun son problème. J'ai parlé l'affaire de Coco s'il y a 2-3 jours. D'accord? Qu'on ne me dise pas que je profite de la pluie pour chier dans le torrent. J'ai parlé de l'affaire de Coco si. Il y a deux, trois, de mon problème à moi. Il y a 2-3 jours. 3-4 jours. Facebook a supprimé ce direct d'ailleurs. C'est le direct qui m'a causé les problèmes que j'ai aujourd'hui là avec Facebook. Et même si je profite de la pluie même pour chier dans le torrent, quand c'est le Ndjangui, tout le monde vient chop. C'est la tontine. Si tu bouffes la tontine, tout le monde, tous les lâches qui ne savaient pas, qui n'avaient pas le courage sortent. Moi, je ne suis pas une lâche. Voilà. Tout le monde sait que moi seulement là, moi, je ne suis pas une lâche. Donc, voilà. Si vous n'avez pas le courage de parler à vos artistes, nous, on va leur dire leur vrai nom. Et puis, rien ne va se passer. Parce que vous êtes l'homme comme nous. Et puis, tu es mon égal. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Ça, c'était pour situer les choses. Je reviens à mes moutons. Coco argenté est venu se présenter devant nous comme ambassadrice d'AfriTube. Donc, tu as reçu l'argent pour venir parler d'AfriTube. Pour poster tes trucs, ton contenu, tes clips, ta musique sur AfriTube. Mais bizarrement, tu as sorti deux derniers clips. Aucun n'est sur AfriTube. Tu n'es que sur YouTube. Donc, ça revient en fait à vous dire quoi. En fait, tu es vraiment quelqu'un de malhonnête en fait. C'est que c'est comme ça en fait. Parce que avant, je ne m'intéressais pas spécialement à ça, ces histoires où. Voilà, sans mépris, hein, sans rien. Mais voilà, chacun ses goûts musicaux. Voilà, je ne m'intéressais pas spécialement à son actualité. Mais ce qui revient là, c'est d'être en ce que je lis, je me rends compte qu'en fait, le personnage est juste un personnage malhonnête. C'est juste comme ça en fait. Donc, et quand je vois ce qui se passe avec Eric Nia, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Vous faites quel genre de sorcellerie au Cameroun? J'ai suivi une audio tout à l'heure dans le direct de Destiny la Baronne. Moi, je ne connaissais pas l'audio là. J'ai suivi ça. Donc, je suis choquée parce que je n'avais jamais suivi cette audio. Tu entends une malade mentale vociférer, aboyer sa haine et ses frustrations. En fait, tout ce qui ne va pas dans le Cameroun, là, c'est la faute aux Bamileke. Tout ce qui ne va pas, s'il y a la sécheresse au Cameroun, c'est la faute des Bamileke. Si le corona est arrivé au Cameroun, c'est la faute des Bamileke. Si on a détourné vos 180 milliards, c'est la faute aux Bamileke. Oh. Tout ce qui ne va pas dans ce pays, c'est la faute aux Bamileke. Nous, on est venu vous dire qu'on est fatigué de se taire. Moi, je ne vais pas me taire. Nos parents nous ont appris à nous taire, à toujours nous faire baisser les yeux quand on marche en route. Quand on marche en route, je passais en route à Yaoundé.
il y avait des autochtones à Yaoundé, à Tongolo, au feu. Je passais en route pour aller à l'école. Elles sortaient m'insulter tous les jours seulement parce que j'étais Bamileke. Et quand on voulait réagir, les parents nous disaient que non, calmez-vous, non, laissez, parce que vous avez peur. Ils ont toujours eu peur. Nous, la nouvelle génération, là, nous, on est les métisses. Je suis née à Yaoundé. Donc, votre folie, là, j'ai ça. C'est là. Je suis née à Yaoundé premier. Pas Yaoundé, les banlieues, les endroits reculés. Non, 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 Yaoundé premier, centre, hôpital central. Je suis une autochtone de Yaoundé, je suis une autochtone du Cameroun. J'ai le droit de parler dans tout ce qui concerne le Cameroun. J'ai le droit de faire tout ce que je veux au Cameroun. Les Bamileke ne vous doivent rien. On n'a pas à demander un titre de séjour pour circuler dans notre pays. Qu'est-ce qui vous arrive? On doit vous demander pour respirer l'air au Cameroun. On doit vous demander votre avis. C'est terminé. Quand je viens parler de ces choses, on me dit que non, une artiste ne doit pas prendre parti. Je suis Bamileke. Je ne vais pas mentir que je suis autre chose. Et je ne vais pas me renier. Je ne vais pas me renier parce que j'ai une carrière. J'ai des enfants Bamileke. Donc si le problème du tribalisme ne se règle pas au Cameroun, mes enfants vont venir grandir dans ça. Dans ce que moi j'ai laissé. Mes enfants aussi vont venir grandir dans ça. Et on doit se taire parce que, oh, pour rester dans le politiquement correct. Tu as quelqu'un qui se plaint que oh, c'est les Bamileke qui sont sales, c'est les Bamileke qui envahissent la télévision, que Eric Nia fait la promotion du bamilekanisme. C'est un mot que je ne connaissais pas. Le bamilekanisme, c'est quoi? Il y a une façon d'être Bamileke. Moi, je marche ici en Europe. Quand je dis que je suis Bamileke, on ne me croit pas. Vous voyez donc il n'y a pas une façon d'être Bamileke. Voilà. Il n'y a pas une façon d'être Bamileke. Être Bamileke, ça ne se limite pas à apporter un nom Bamileke. Ça ne se limite pas à avoir des origines Bamileke. Être Bamileke, c'est pratiquer la tradition Bamileke. C'est de ça qu'il s'agit. Comme être africain aujourd'hui, être noir, ce n'est plus juste avoir la peau là. Non, ça ne suffit plus. Ce n'est plus un passeport. Être africain aujourd'hui, noir, c'est te soucier de la cause des noirs. C'est ça être africain, c'est pas juste te balader avec un label parce que tu as la couleur. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis Bamileke dans tous les sens du terme. D'accord? Mais je suis camerounaise aussi. D'ailleurs, je n'aime même pas ce mot camerounaise. Parce que c'est un nom que vous n'avez même pas choisi. Quand je vois les gens se taper la poitrine, je suis camerounaise. C'est un nom que vous n'avez pas choisi. Ça signifie crevette. C'est un nom que tu n'as pas choisi. Et une crevette, on lui coupe la tête. Je pense que à partir de là, vous comprenez pourquoi. Nous n'avons plus toutes nos têtes au Cameroun. Non, 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 non. Ne me dites pas de ne pas me lancer dans ça. Dans ça quoi? Moi, je vais m'adresser à Coco Argenté. J'ai là mon problème avec elle par rapport à Afritube. Qu'elle vienne battre les dos. Et quand je me rends compte, donc, en fait, donc, ce sont les grandes sœurs comme ça. Quand je dis grandes sœurs, c'est par rapport à l'expérience, à la carrière qu'elle a. Voilà. Elle a une plus grande carrière que moi. Je respecte ça. Je respecte sa carrière. Mais il y a l'humain derrière. Il y a un être humain derrière et l'être humain d'aime. Indem, il faut lui dire qu'indem. Tu ne peux pas abuser tout le monde comme ça. Vous me parlez que le gouvernement est derrière. Moi, il connaît quoi au gouvernement? Il connaît quoi dans les histoires? Il connaît qui au gouvernement? Il connaît qui? Et même si le gouvernement est dedans, c'est le gouvernement de qui? C'est le gouvernement du Cameroun, c'est mon gouvernement aussi. Vous parlez de quoi? C'est à cause des comportements comme les cocos à chanter comme ça que nous, on n'arrive pas à entrer dans toutes les émissions qu'on voudrait aussi. Nous aussi, on voudrait avoir une tribune. Nous aussi, on voudrait avoir une tribune. Et je ne suis pas en train de... Moi, on m'a reçu à la CIA TV. Donc, je ne suis pas en train de cracher sur la CIA TV. Mais il faut arrêter, en fait. Ça ne se peut pas que tu te comportes mal. Tu donnes rendez-vous pour venir à une émission. Tu ne viens pas. Tu te permets d'abord de ne pas venir. Et tu refuses de faire une vidéo pour t'excuser devant tes fans. Et c'est les gens comme ça là que vous allez soutenir. C'est les gens comme ça que vous portez, vous portez, vous portez. Des gens qui n'ont même pas le respect pour leur public. On va leur dire leur nom. Parce que ce sont leurs agissements qui nous portent préjudice à nous qui venons derrière là. C'est à cause de ces artistes-là qu'aujourd'hui, partout où tu passes, où on pouvait t'ouvrir les portes, on te dit que non, vous les artistes, vous êtes trop ingrates. Voilà l'autre qui avait fait. Vous les artistes, vous êtes trop ingrates. Vous êtes trop ingrates. Toujours parce que vous, vous passez sur le chemin, vous chiez dessus. Comme ça, personne ne peut plus emprunter le chemin. Vous passez dessus, vous chiez dessus. Donc toi, tu plaques tout un animateur talentueux, oui, que vous le vouliez ou non.
Erik est talentueux. Ça chauffe pas. C'est pas Yaya. Le talent, là, ça coule dans lui. C'est pour ça que vous l'attaquez. C'est pour ça que vous l'attaquez. Vous voulez aussi enlever une des rares personnes qui fait que nous, on regarde encore la CA TV. Hein? Vous regardez combien d'émissions là-bas à la CA TV? Hein? Vous regardez combien d'émissions? Quand il voit l'autre papler, la maman papler qui bavarde ici, là, Pambé. Là, moi, je ne veux pas dire son nom. Hein. Il veut pas. On ne donne pas la lumière au parasite. Tu ne m'as pas suivi. Je ne veux pas le mélanger. Quand une maman papler comme ça se lève pour dire que Erik Nya est tribaliste, ça passe même pas où? Toi, tu es la plus grosse tribaliste de la toile. Toi qui appelles à détester son prochain sur la toile. Toi qui t'es réjoui de la catastrophe qu'il y a eu à l'Ouest. Toi qui t'es réjoui de ça. Erik Nya Bamile, enfant de Bamileke de son état, lui, il t'a reçu à son émission. Et c'est lui que tu appelles tribaliste. C'est-à-dire que ce que la morale, normalement, il ne devait même jamais te recevoir. Parce que tu ne prends aucune valeur. Je vous ai dit de vous calmer, sinon vous sortez. Tu ne prends aucune valeur d'unité. Tu ne prends rien de bon pour la jeunesse. Donc, il n'y avait rien qui justifiait même ta venue sur nos chaînes, notre chaîne nationale. C'est-à-dire, on nous impose les parasites comme les vous là. Et personne ne s'est plaint. Personne n'est pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont. Moi, ça m'a choqué que Erik Nya la reçoive. Lui, par rapport aux choses qu'elle prône ici sur la toile, ça m'a choqué. Mais j'ai fermé ma bouche tout simplement parce que c'est la télé nationale. C'est la télé nationale. Ça appartient à tous les Camerounais. Donc, s'il y a certains Camerounais qui aiment Aline Zoumoubem, je ne peux pas les en empêcher. C'est un fait, j'ai sorti son nom ici. Eh, Seigneur, je ne voulais pas. Si je pouvais couper la partie là, effacer. Ouais. Oh. Je ne veux pas savoir. Laissez-moi travailler. Vous voyez les esprits, quand tu les invoques, là, ça amène le désordre même dans ta maison. On va vous dire la vérité. Je m'en fous. Je m'en fous. Donnez-moi une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Je ne sais même plus où j'en étais. Donc, je disais, la CA TV appartient à tous les Camerounais. En soi, je ne peux pas me lever. S'il y a certains Camerounais qui apprécient la personne et qui veulent la voir sur leurs écrans, ah, c'est la liberté. Moi, je suis une partisane de la liberté. Donc, je ne peux pas trop brimer. Voilà, il y a des livres. Je ne peux pas. Même de ce qui ne me plaît pas, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Et je ne peux pas parler parce que c'est la liberté. Voilà, tout simplement. Mais sortir aujourd'hui, vouloir instrumentaliser tout ça là, hein, pour créer les problèmes à un des rares animateurs encore professionnels dans ce domaine-là, je suis désolée. Allez là-bas, allez loin avec ça. On a dansé et puis quoi? Parce que tu as dansé sur quelqu'un que tu vas accepter n'importe quoi. Vous me parlez de quoi? J'ai dit qu'elle vient back les dos d'Afritube. Je ne suis pas là-bas dans vos micmacs là. Je ne gère pas vos bêtises là. Je ne gère pas ça. Vous me parlez de quoi? Voilà Michael Jackson. Tout un Michael Jackson. On n'a pas hésité à le traîner dans la boue. On n'a pas hésité à le traîner dans la boue. Et même quand on a su qu'il n'avait rien fait, personne n'est venu parler. Personne n'est venu laver son nom. Venez me parler qu'on a dansé. On a dansé plus quoi? On a dansé plus quoi? On doit tout accepter. Il faut qu'elle arrête la malhonnêteté. Tout le monde ne peut pas se plaindre de toi, de tes mauvais comportements, de la malhonnêteté. Tu peux avoir un sale caractère, mais tu dois être honnête envers les gens. Tu dois être honnête envers les gens. Tu ne peux pas prendre les dos ici. Tu n'assumes pas. Tu prends les dos là-bas, tu n'assumes pas.
tu n'assumes pas tes rendez-vous et ça retombe sur la tête des gens. Ça devient que, oh, Erinia voulait dormir avec elle, elle a refusé. Maintenant, comme ça n'a pas pris, ça devient que, oh, il est tribaliste. On va donc parler du tribalisme là. On va parler de ça. De l'audio que j'ai entendu là. Que, oh, on nous impose la culture bamileke partout. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous voulez que je vous cite tous les artistes bamileke qui chantent la culture des autres? Qui chantent en Douala? Qui chantent en Béti? Qui font le Bikutsi? Qui font le Makossa? Qui font les musiques d'ailleurs? Il y a combien d'artistes d'ailleurs qui viennent faire le Ben Sikin? C'est maintenant les jours que ça a commencé parce que le Ndopa à la mode. On a cassé dit la vérité. On a cassé dit la vérité. Vous comprenez? Voilà. Il y a combien d'artistes d'ailleurs qui venaient faire la musique des Bamileke? C'est maintenant parce que le Ndop a pris le dehors. Parce que MS a pris le Ndop. Maintenant, tout le monde porte le Ndop. Je vais vous dire vos vérités. On doit vous dire la vérité. Combien parmi vous ont déjà pris le tissu Ndop? Essayez de comprendre les symboles qu'il y a dessus. Vous, en tant que Camerounais. Parce que c'est ça être Camerounais. C'est s'intéresser à la culture de toutes les régions camerounaises. Moi, je suis à Yaoundé. Je comprends un peu les Wondo. Je comprends un peu les Tone. Je comprends un peu le Fufoubé. Je comprends un peu le Boulou. Oui, je peux arriver au sud. Je leur dis bonjour. Ils vont comprendre ce que je dis. Je peux leur demander à manger. Je peux leur demander à boire dans leur langue. Combien parmi vous peuvent le faire? En Bamileke, combien? Combien? Combien d'artistes Bamileke sont soutenus ici là? Combien d'artistes Bamileke brillent? Combien? Combien? Qui produit les artistes au Cameroun? Qui sont les promoteurs au Cameroun et dans la diaspora? Qui sont les artistes qui viennent faire leur argent le plus ici à la diaspora? Ce sont les artistes comment? Ce sont les artistes d'où? On n'est pas en train de se plaindre, hein? Mais on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Vous allez arrêter de vous foutre de la gueule des gens. Et je dis encore à nos parents, votre temps là où vous disiez aux gens que taisez-vous, reste tranquille, ne parle pas, on va te faire du mal, on va te tuer, on va te ceci. Je vais mourir de toute façon. Voilà. Mieux je meurs pour une bonne raison que de mourir au bar. Vous comprenez? Vous êtes beaucoup là, vous qui allez venir m'insulter, vous allez mourir au bar avec une bière à la main. C'est-à-dire une mort inutile, comme la vie inutile que vous aurez eue. Moi, ma vie doit être utile. Donc ma mort aussi sera utile. C'est moi, j'ai dit ça. Voilà. C'est moi, j'ai dit. Je n'ai pas mouru comme une chèvre, sans idéologie, sans avoir rien laissé sur terre, rien du tout. Et que la personne qui me tue ne reste pas mourir. On va vous dire la vérité. Foutez la paix à Eric Nia. Voilà. La vérité, c'est quoi? C'est que ce sont les producteurs et les promoteurs Bamileke qui encouragent, qui soutiennent les cultures des autres. C'est ça qui est la vérité. Et je ne suis pas en train de me plaindre. Ils sont libres d'investir leur argent où ils veulent. Les autres artistes là sont aussi des Camerounais. C'est ça la différence entre vous. Vous, les malades là, et les nous comme ça là. Oui, quand je dis nous, moi qui ai le courage de m'affirmer en tant que Bamileke, parce que c'est un truc qui est interdit au Cameroun. C'est un truc qui est interdit au Cameroun. Dès que tu dis que tu es fier d'être Bamileke, c'est que tu es contre les autres ethnies, c'est que tu es tribaliste. J'ai le droit d'être fier de là où je viens. Vous êtes normal? Vous avez fait cette Bamileke, on avait honte même de nos noms en classe. Quand on t'appelle par ton nom, tu as honte, tu te caches parce que tout le monde va se moquer. Quand tes parents te parlent dans ta langue devant tes amis, tu te caches parce que tu as honte. Et aujourd'hui, qu'on a grandi, qu'on a réussi à laisser tous les complexes là derrière nous, vous pensez que vous allez nous museler? Vous pensez que vous allez nous obliger à être des victimes? Moi, je ne suis pas une victime. Moi, je ne suis pas une victime. Mes parents étaient des victimes. Mes grands-parents étaient des victimes. Moi, là, je ne suis jamais la victime de quelqu'un. Et mes enfants ne seront la victime de personne. Ils ont le droit de parler comme tout Camerounais dans le Cameroun. Là. Parler au Cameroun, là, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Voilà. C'est pour nous tous. On mourit ensemble. On est ensemble jusqu'à la gare.
Donc, il faut bien vous asseoir et comprendre que les Bamileke qui se laissaient faire avant là, c'était avant. C'était avant. Aujourd'hui, on ne se laissera plus faire. On ne va plus se taire. Oui. On ne va plus se cacher, raser les murs parce qu'on a peur. On a peur de la réaction des autres. Tu rases les murs. Tu marches sur. Tu marches sur la plante des pieds. Parce que tu as peur. Non. C'est terminé. Il y a les Bamileke New Way comme nous là. Je suis na Yaoundé. Je suis votre produit. Je suis le produit même de Yaoundé. Parce que, comme je vous le dis encore une fois, quand je marche ici dehors, personne n'accepte que je suis Bamileke. On ne me croit pas. On ne me croit pas. Donc, merci à mes frères Betty et Boulou, Fang, tout ce que vous voulez et quand. Tout ce que vous voulez. Merci à vous parce que c'est vous qui m'avez donné la force de caractère là. Oui, c'est grâce à vous. Et je vous aime. C'est pour ça que je vais vous dire la vérité. Oui. Ceux qui ne vous aiment pas, ils vont vous mentir. Moi, je vais vous dire la vérité. D'accord? Parce que c'est ça, quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Tu n'attends pas que ça pourrisse. C'est vous qui êtes toi en train de dire que les Bamileke sont hypocrites. Vous avez un Bamileke qui vous dit la vérité devant vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas content? On est toi en train de dire que les Bamileke sont hypocrites et sournoises, donc. Voilà, donc 100%. Je suis 100% Bamileke, génétiquement, en tout cas. 100%. Et je vous dis ce que je pense. Même là, ça ne me plaît pas. Même là, c'est un problème. Oh, tu parles trop. Contente-toi de faire ta musique. Contente-toi de nous montrer tes fesses. Je ne sais pas quoi, 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 quoi. Il n'y a pas ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, devant qui je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne me dicte. Personne. Et si je vois l'injustice, je sors. Oui. Je vois l'injustice, je sors. Tu t'attaques à mes intérêts, je sors. Tu t'attaques à mon ethnie, je sors. Tu t'attaques à mon pays, je sors. Tu t'attaques à mon continent, je sors. Tu t'attaques aux femmes, je sors. Tu t'attaques aux enfants, je sors. Je vois une injustice, je sors. D'accord? Voilà. Et là, j'ai quadruplement raison de sortir. Quadruplement. Voilà, la première raison, c'est que je profite maintenant que tous les micros sont branchés sur Coco Argenté pour lui réitérer mon message. Tu as dit que tu étais ambassadrice d'AfriTube. Donc, soit tu viens remplir ton contrat, c'est-à-dire que tu postes ton contenu sur AfriTube, comme tout le monde. Tu communiques sur AfriTube, comme tout le monde. Je vais m'arrêter sur ce point-là. Ça, c'est le premier point pour lequel je viens de lui parler. Qu'elle assume ses responsabilités. Ou bien, elle vient battre les dos. C'est tout. On est les Camerounais. Faut pas jouer la sueur du front des gens. Oui. Moi, je parle parce que je suis artiste d'AfriTube. La personne qui a créé AfriTube, je m'arrête sur ce point. Premier point, AfriTube. C'est un Betty qui a créé AfriTube. Et elle vous dit donc maintenant les choses. C'est un Betty qui a créé AfriTube. D'accord? Coco Argenté est sur AfriTube. Elle ne travaille pas. Maman Katino est sur AfriTube. Elle ne travaille pas. Maman Annie Anzoué est sur AfriTube. Je la vois un peu se battre. Je pense qu'elle n'est pas très calée dans le digital. Donc, je ne peux pas lui en vouloir parce que je vois qu'elle essaye de faire des trucs. Mais elle n'est pas très calée. Mais je ne peux pas lui en vouloir, elle. Donc, je ne la compte pas. Les seules personnes qui travaillent, c'est moi. En premier, c'est moi. Et je mets quiconque au défi s'il a devenu dit le contraire. La plus grosse ambassadrice d'AfriTube, bien que je ne sois pas légalement ambassadrice, comprendra qui comprendra. Je ne suis pas contractuellement ambassadrice d'AfriTube, mais celle qui communique le plus, qui représente le plus AfriTube de tous les artistes sur AfriTube, c'est moi. C'est moi. Je n'ai pas eu besoin que ce soit un Bamileke pour aller soutenir son entreprise. Parce que moi, il ne me paye pas. Dès que j'ai entendu que AfriTube existait, c'est moi qui suis allée chercher AfriTube. J'ai quitté YouTube pour mettre tous mes nouveaux clips que sur AfriTube, uniquement sur AfriTube. Oui, moi, la Bamileke, dans le business d'un Betty, moi, j'ai sacrifié ma visibilité que je pouvais avoir sur YouTube parce que c'est le business d'un frère. Parce que c'est un Africain. Parce que c'est un Camer.
dont je suis, je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions. Donc, quand une coco argentée qui vient prendre l'argent dans une petite entreprise qui est en train de se chercher et elle ne fait pas le travail, on ne doit pas lui dire, on doit se taire. On doit se taire. Parce que je suis actionnaire aussi chez AfriTube. Ça, c'est le point 2. Comme je vous ai dit que je sors si tu veux t'attaquer à mes intérêts. Je suis actionnaire chez AfriTube. Donc, je suis patronne aussi chez AfriTube. Donc, si Coco Argenté vient sur les dos chez AfriTube et qu'elle ne doute pas le work, elle est en train de jouer avec mes intérêts. Elle est en train de jouer avec mon jeton, avec mon jet. Et ça, même si tu es qui, je n'entends pas ça. Vous me parlez de quoi? 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 Est-ce que mes intérêts sont menacés? Troisième chose, vous avez dit que s'il y a une injustice, je sors. Il y a une injustice, je sors. Le monsieur qu'on a relevé de son poste, pas de ses fonctions, mais de son poste, oui, de certaines de ses fonctions, du coup, toujours à cause de l'affaire de Coco Argenté. Dans la CIA TV, c'est la maison de Coco, quoi. C'est-à-dire qu'on ne la reçoit pas et les choses tremblent jusqu'à les postes des gens sautent. Merde! C'est-à-dire qu'on vous demande de donner le respect au public, de t'excuser de ton absence. Tu n'es pas... Tu estimes que tu n'as pas à le faire. Mais on ne connaît pas vos bras qui sont longs, vos relations que vous avez. Tu réussis à faire sauter quelqu'un de son poste. Parce qu'on n'a pas réussi Coco Argenté. C'était la parole de quel évangile que tu as donné de nos gens. Seulement pour la promo de ton album. Donc à cause de la promo de toi seul, ton album là, on va enlever des gens qui travaillent bien. Oh, on a Annick. Il faut laisser les gens parler pour eux qui parlent là-bas. Moi, je n'ai peur de rien ici. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Ça ne vous fatiguez pas à venir me menacer, même inbox là. Ceux qui viennent souvent se perdre dans mon inbox là. Ne vous fatiguez pas parce que avant de me lever et décider de commencer à mener mes combats sur Facebook, je me suis préparée à tout ça. Je sais très bien tout ce que j'ai dans le ventre. Et je sais que tout ce que j'ai dans le ventre est dangereux pour beaucoup de personnes. Donc, je suis préparée. Avant de te lever pour venir entamer les combats comme ça, faut peser le pour et le contre. Peser, c'est-à-dire quoi? Même par rapport à ma carrière, j'ai mis les deux dans la balance. Me demander s'il faut choisir. S'il faut, si j'arrive au pied du mur, qu'est-ce que je serais capable de sacrifier? Eh bien, je sacrifierais tout pour la justice. Je sacrifierais tout pour la vérité. Rien ne vaut la vérité. À mes yeux, rien n'est plus important que la vérité. Les intelligents vont comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez la sorcellerie que vous faites là. Arrêtez ça. Les Camerounais, les Bamileke ne sont pas des moitiés de Camerounais. On n'a pas à prouver notre appartenance à cette nation tous les jours. Tous les jours, on doit se justifier. Tous les jours, on doit s'excuser d'être. On doit s'excuser de respirer. Et j'avais un message pour mes frères Betty tribalistes, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Je ne veux pas généraliser. Pour ceux qui sont tribalistes là, j'avais un message pour vous. Pour ceux qui sont toujours en train de pleurer, allez donner mon message à la Mengela. Vous qui êtes toujours en train de pleurer qu'on favorise les Bamileke ont tout pris, les Bamileke nous imposent ici, leur culture, leur ceci, leur cela. Moi, j'ai un conseil pour vous. Imposez votre culture, c'est tout. Ne t'occupe pas de ce que l'autre fait de sa culture. Impose-toi aussi. C'est tout? C'est quoi? Tu penses que tu peux empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être professionnels. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de prôner l'excellence. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de rechercher toujours la perfection. Vous ne pouvez pas en vouloir aux gens parce qu'ils travaillent. Tu veux les yeux sur toi?
Tu veux la lumière sur toi? Bats-toi pour avoir la lumière sur toi. Ne cherche pas à éteindre la lumière chez l'autre. Parce que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Pendant que tu l'empêches de briller, il va multiplier les efforts pour briller encore plus. Donc, il deviendra toujours meilleur. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ne vous fatiguez pas. Attends, je vais lire un truc ici. Mais tu n'arrives pas. Ouais, je vais mourir dans la piscine avec Omadé. Ouais, gay. Au lieu de vous occuper, quand tu es dans la course là, ne regarde pas comment ton voisin est en train de courir. Hein, parce que tu es en train de te distraire. Tu te ralentis seul. Ne regarde pas sa course. Regarde devant. Regarde ton objectif. Ne regarde pas ce que lui, il fait. Ne regarde pas ce qu'il fait. Regarde ton objectif. Donc, arrêtez les pleurs du mbolé partout là. Vous nous fatiguez avec ça. Que oh, tout le temps, c'est la même ethnie qu'on entend. Maniké, maniké. Mais c'est vous qui parlez. Aïe. C'est vous qui parlez. Foutez la peau aux gens et valorisez votre culture. Valorisez votre culture. Arrêtez de demander aux autres d'étouffer leur culture. Valorisez la vôtre. Elle est venue dire quoi là? Oh, 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 on nous met les masques qui effraient les enfants. Qui tu sais combien les masques là coûtent? Une inculte. Tu sais combien ça coûte? Tu sais combien les étrangers sont prêts à payer pour les masques qui effraient les enfants là d'après toi? Hmm? Là, elle est villageoise. Et puis c'est toi qui viens payer les gens villageois quand tu connais rien à l'art? Qui t'a empêché d'aller faire ta part de masque? Qui vous empêche? Qui vous empêche de valoriser votre tissu? Voilà Imana ici qui a fait toute une collection avec le tissu en raffia des Betty. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de Betty qui ne connaissent même pas leur tissu traditionnel. Mais vous êtes là seulement à insulter les cultures des autres. Cherchez votre histoire. Arrêtez d'envier ce qu'il y a dehors parce que vous aimez valoriser ce qui vient de chez les autres pays. Les autres pays, vous valorisez ce qu'il y a chez vous, ça ne vous intéresse pas. Et dès que vous voyez le Bamileke valoriser sa part, c'est un problème que lui, il se prend pour qui? Il se prend pour ce qu'il est. Il se prend pour ce qu'il est. Tu n'as qu'à te prendre aussi. C'est quoi? Chacun fait son vumba, chacun se borde. Vous voulez que les gens se rabaissent, s'humilient, se laissent piétiner? Pourquoi? 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 Hein? Nous, on n'est pas prêts. Nous, on ne va pas vous donner ça, la satisfaction là. Jamais. Et ne jamais pleurer. Je ne vais jamais me plaindre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les artistes les plus soutenus ne sont pas les artistes Bamileke. Les promoteurs en majorité, on sait d'où ils viennent. Ce sont les Bamileke qui sont en majorité les promoteurs, en tout cas ici à la diaspora. Et on voit qui ils produisent. Ce ne sont pas les artistes Bamileke en majorité. Ce ne sont pas les artistes Bamileke. Je vous mets au défi. Allez vérifier, venez me contredire. Les producteurs en majorité, ce sont les producteurs Bamileke. Et les gens qui produisent en majorité, ce ne sont pas les Bamileke. D'accord? Sinon, c'est que c'est le Ben Sikin que toute l'Afrique devait connaître. Les autres Africains, là, ils ne connaissent pas le Ben Sikin. Ils connaissent le Bikutsi, le Makossa. Ils ne connaissent pas le Ben Sikin. Donc arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Ils ne connaissent pas le Ben Sikin. C'est pour ça que les artistes Bamileke vont faire le Bikutsi, vont faire le Makossa. Parce que leur musique de chez eux n'est pas valorisée dehors. Et parce que personne n'a cœur, personne n'a le courage de se lever, de prendre le Ben Sikin en main. Il dit que moi, il va amener le Bikutsi dehors. Le Ben Sikin dehors. On n'a pas se dit la vérité. D'accord? On n'a pas se dit les vérités. On n'a qu'à se dire les vérités. Moi, je ne suis pas la plus forte en bafang. Hein. Je ne suis pas la meilleure en bafang. Mais j'ai dit que je vais chanter en bafang. C'est quoi une quoi? Voilà. C'est comme ça. Parce que c'est ma langue. Donc, je vais apprendre par force. Je vais chanter. Je vais chanter en bafang par force. Si je ne peux pas faire le Ben Sikin, je peux chanter en bafang. Voilà. Si je ne peux pas faire la musique traditionnelle de chez moi, je peux au moins chanter dans ma langue. C'est ça que je fais pour valoriser ma culture. Je ne vais pas venir accuser mes frères parce qu'ils produisent les autres. Non, non.
Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Les autres, là, c'est aussi des Camerounais. Donc, si moi aussi, je veux qu'on me produise, là, je vais me battre. Je vais me battre pour qu'on me produise. Je vais parler chier sur ceux qu'on produit, les détruire, les dénigrer tous les jours. C'est pas ça qui va faire qu'on vienne te donner la lumière. On donne la lumière à ceux qui méritent la lumière. On donne la lumière à ceux qui ont réussi à faire parler de d'une manière ou d'une autre. À tort ou à raison. Parce que je suis d'accord, ce n'est pas tout le monde qu'on met en avant là qui mérite. Oui, oui, oui. On a cassé dit aussi. On a cassé dit la vérité. Donc, au quoi, Agenté, allez lui dire que sur AfriTube, on l'attend. Allez lui dire qu'on attend sur AfriTube. Quelle est ce qu'elle va aller faire à Eric Nia là? Il faut laisser ça. Il faut arrêter la sorcellerie. D'accord? Et vous, peuple camerounais, c'est vous qui avez le pouvoir. Arrêtez de donner les points, de donner du poids à des gens qui chient sur vous. Je le dis ici, Rora. Un artiste, ce n'est pas que sa musique, c'est aussi sa personnalité. C'est aussi ce qui dégage. C'est aussi ça, un artiste. Ce n'est pas que la musique. C'est aussi ce qui dégage. Donc, vous n'avez qu'à éduquer vos stars si vous ne voulez pas qu'on sorte sur elles avant que ces fans ne viennent ici là. Tous ces fans qui ont venu vous insulter là, tout ce que vous dites là, c'est vous-même. C'est celui qui dit qui est. Tout ce que vous allez dire sur moi là, c'est vous-même. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas lui parler pourquoi. Quand même elle est sortie sur les dépenses ici, vous avez fait quoi? Jusqu'à rentrer dans les bassesses qu'on n'avait pas besoin d'entendre. Vous avez dit quoi? Et je suis pas sa petite soeur. Avant que les gens viennent me dire que manque de respect. J'ai 36 ans. Je suis juste bien conservée. Voilà. Vous avez vu, il y a les bamilekés qui ne sont pas grosses. Il y a les bamilekés qui ne sont pas grosses. J'espère que ça va rentrer dans la tête des ignorants qui sont toujours en train de pondre des préjugés, des conneries partout. Oui, oui, oui. Je suis bamileké. 100%. 36 ans, 2 enfants. Et ça rima. Ça coule. Ça vient de la montagne, l'inspiration. Vous ne pouvez pas. Tu n'as pas peur. Tu vas à la montagne. Toi, tu es venu bagarrer avec la montagne. Tu vas venir te battre à la montagne. Tu vas cogner dedans fatigué. Quand tu vas te fatiguer là, tu vas t'arrêter. Oui. Quand tu vas te fatiguer, tu vas t'arrêter. La montagne sera toujours debout. Voilà. Debout. Indestructible. Personne ne vous a demandé de délaisser votre culture. Si vous n'aimez pas votre culture, ne venez pas demander aux autres de détester la leur. Nous, on aime notre culture comme ça. Le ndop sent mauvais, ça nous sent bon à nous. Nous, on aime ça comme ça, la mauvaise odeur là. C'est ça qui est bon à nous. Nos chefs ont les gros ventres, comme l'autre paplé qui vend notre ndop là avait dit. Nos chefs ont les gros ventres, nous on aime ça. Quand ils ouvrent leur ventre là, nous on en jaillit. Nous les enfants, on aime ça. On veut seulement aller toucher, jouer dessus. Enfant là, oh le gros ventre. Nous on aime ça. Quand on voit nos chefs sortir, se dénuder pour faire plaisir à leur population. Nous, on aime ça. On comprend que notre chef ne se prend pas. Il se met à notre niveau. Il veut faire plaisir aux enfants. Il se déshabille pour la gloire des ancêtres et pour communier avec son peuple. Et nous, on aime ça. Oui. Nous, on ne veut pas les chefs qui nous saluent, qui baissent leur vitre pour nous saluer avec les mains de loin. Non. Nous, on veut les chefs qui viennent défiler dans la foule. Et puis il enlève son habit, nous montre son ventre, pour nous montrer que mes enfants, moi, mais je suis rien comme vous. Voilà, je suis d'abord l'homme, je suis d'abord l'être humain. Voilà ça. Et moi aussi, je rends hommage aux ancêtres comme vous. Moi aussi, je suis petit devant tout ce qu'est l'univers. C'est ça. C'est ça, nous, on aime. Si vous vous n'aimez pas, personne ne vous a forcé. Personne ne vous a forcé. On n'est pas venu vous donner le dop de portée. Personne ne vous a donné le dop de portée. Personne n'est entré chez vous vous forcer à mettre, à accrocher nos masques dans vos maisons. Personne n'est venu te donner ça. Donc si tu n'aimes pas, reste tranquille. D'abord, si tu as l'argent pour acheter, tu connais combien coûte un masque? Vous savez combien coûte un masque? Des masques Bamileke là. Et Bamoun, c'est la même culture. Vous savez combien ça coûte? C'est à ton niveau? Faut voir ça de loin et puis tu passes. Quelque chose que les whites confisque ici, ils refusent de remettre. Toi, tu viens dire que c'est papa. Il faut vous cultiver. Il faut vous cultiver. Il ne faut pas sortir pour venir énerver les gens, nous obliger à sortir notre sale côté ici pour montrer aux gens. Oui. Quelque chose que
Les whites ici, ils ont confisqué ça. Hora. Ils ont dit qu'ils ne vous rendent pas. On a les activistes qui se battent ici là pour récupérer tout le patrimoine africain. Tous nos objets d'art, nos œuvres d'art dans leur musée ici à travers l'Europe. Ils disent qu'un gang, on ne donne pas. Parce que c'est bon à nous. C'est pour vous, hein. On n'a pas acheté, hein. On a volé. Mais on ne vous donne pas. Oh, parce que c'est bon à nous. Et maintenant, tu as tes frères au village qui viennent te dire que tes masques qui sont dégueulasses, ta sale culture, là, quand tu vois comment l'étranger veut te tuer pour garder ta culture, tu as ton frère à côté qui te dit que ta culture ne vaut rien. Frère, faut vous réveiller. Faut arrêter la sorcellerie. Quand on parle de la culture bamileke à l'étranger, on parle du Cameroun. D'accord? Soyez fiers de ça. Quand moi je vois, quand j'ai vu Imana ici rentrer dans le patrimoine ici là de la haute couture en France, j'étais fière. J'étais fière pour 1 million. Mais vous les écrans, on ne vous a pas vu partager ça. Voilà les choses que vous devez valoriser. Vous attendez que ce soit qui valorise. Qui doit faire? Et quand les autres viennent valoriser pour eux, vous, c'est les pleurs du Mbolé. Qui doit faire? Apprenez à valoriser aussi ce qu'il y a chez vous. Au lieu de venir vous cracher ce que les autres ont. Valorisez pour vous. Valorisez pour vous. Qui a parlé de ça? Il dit que Imana ici est rentré dans le catalogue, ici là, comme sa maison, c'est une maison haute couture. Il a été reconnu ici. Avec une collection à base de raffia. Donc, le tissu des écans, je ne connais pas comment ils appellent ça dans leur langue, mais c'est le raffia. Combien de bêtises ont parlé de ça? Vous ne parlez pas et vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Hein? Valorisez votre culture. Valorisez votre culture. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas que la musique. Il n'y a pas que la musique. Parce que vous pensez que comme vous avez les diplômes qui chantent, tout le monde la connaît, vous avez Coco Agenté, on a les grandes chanteuses de Bikutsi, vous pensez que ça suffit, ça ne suffit pas. Votre culture ne se limite pas à la musique. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Vous avez un tissu. Vous avez un tissu comme nous, on a le ndop. Les anglophones aussi ont leur tissu qui est dérivé aussi du ndop. C'est le même truc. Mais ils valorisent aussi. Pourtant, ils sont moins nombreux que les francophones au Cameroun. Mais on arrive à voir le tissu des anglophones partout dans le monde. Ils sont moins nombreux. Mais leur tissu est connu. Vous pensez que c'est la faute à qui? C'est la faute à nous? C'est la faute au gouvernement? C'est la faute à Papol? C'est la faute à Kanto? Il faut arrêter, franchement, il faut arrêter. Arrêtez votre sorte. Voilà, j'ai vu le nom du tissu là ici. Où c'est le baume? Attends, où est ça? Voilà. C'est le baume ou bien le baume, je ne sais pas. Excusez-moi si je prononce mal. Voilà. Un joli tissu. Vous ne valorisez pas. Demain, quand moi, Bamileke de mon état, irait porter le tissu là, hora, et sortir avec, je sais déjà qu'il y a des tribalistes et quand qui vont sortir m'insulter. Alors que vous vous baladez ici, là, vous aimez seulement porter les choses des autres. Les choses, les grands couturiers. C'est ça que vous voulez montrer. Par exemple, vous voulez montrer que vous avez l'argent. On s'en fout de ça. Valorise ta culture. MS est venu chercher le ndop. Qui est ça là? MS a pris ça. Oh, ah. Il a créé les carrés de soie. Va voir le prix. Va voir le prix. Donc, vous allez respecter la culture des gens par force. Enfin, nous, on respecte pour vous. Mais vous-même, vous ne respectez pas votre culture. Voilà. Vous n'êtes pas venu chier sur le savoir ancestral des Bamileke. On va vous regarder. C'est terminé. Bien sûr, c'est les grâces fines. Les grâces fines vont jusqu'au Nigeria. C'est pas seulement au Cameroun. Les grâces fines vont jusqu'au Nigeria. Et même au Nigeria, là-bas, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est des chercheurs, c'est des grouilleurs. C'est comme ça. C'est une éducation qui a suivi les lignées, qui s'est transmise. C'est la transmission. C'est ça qui fait la force des Bamileke. La transmission. La transmission. Et l'amour pour sa culture. Le fait que le Bamileke n'oublie pas d'où il vient. C'est ça qui fait sa force. C'est tout, hein? Il n'y a pas autre chose. Qu'on vous dise ça. Il n'y a pas autre chose. Ceux qui se renient, ceux qui rejettent ce qu'ils sont pour aller épouser ce que les autres sont,
c'est ça votre échec. C'est ça l'échec. C'est se renier pour aller s'assimiler à l'autre. C'est ça l'échec. À partir du moment où tu te renies, tu es déjà sorti de ton chemin. Tu es déjà sorti de la voie qui avait été prévue pour toi. Pour aller suivre la voie de quelqu'un d'autre qui ne va t'amener nulle part parce que ce n'est pas ta route. Parce que ce n'est pas ta route. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ta route. Donc apprenez à suivre, chercher d'abord qui vous êtes, votre histoire. C'est ce que je prône ici tous les jours. C'est pour ça que je vous dis ici tous les jours d'abandonner les religions. On vient m'insulter, mais m'en fous de ça. Vous allez insulter, fatigué, ça glisse. Mm-hmm. Si vous êtes fâché, venez me trouver sur AfriTube. C'est tout. AfriTube, plateforme de partage de vidéos et de contenu afro. Voilà. On vous attend là-bas, pardon. On a même déjà l'application de ça. Et bientôt, vous pourrez payer sur AfriTube avec Mobile Money. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Mobile Money. Donc, avec MTN Momo et avec Orange Money. Bientôt, vous pourrez payer sur AfriTube grâce à ça. Et vous pourrez soutenir réellement vos artistes. Voilà. Ça va vous donner l'occasion. AfriTube va vous donner l'occasion de valoriser les artistes que vous aimez vraiment. Pas l'influence aux médias. Comprendreur, comprendra. Comprendreur, comprendra. Mm-hmm. Pas l'influence aux médias, la compétence. Pas on connaît ce que vous faites sur YouTube là, comment vous payez les abonnés, comment vous payez les vues. On connaît ça. On connaît ça. Mm-hmm. On connaît. Arrêtez de tromper le public et arrêtez de vous tromper vous-même. Surtout. Beaucoup d'artistes fuient AfriTube parce que sur AfriTube on ne baille pas les followers, on ne baille pas les vues. Ce que tu vois là, c'est ça qui est ça. Voilà. On voit qui travaille. Qui travaille à la promo. Moi, artiste non-name. Vous, grands artistes. J'ai plus d'abonnés que vous sur AfriTube. Je cumule plus de vues que vous sur AfriTube. Pourtant, moi, mes clips sont monétisés. Mes clips, il faut payer pour avoir accès à mes clips. Oui. Mais j'ai plus de vues que vous, les grandes stars. C'est parce que vous ne travaillez pas. C'est parce que vous ne travaillez pas. Mais AfriTube n'est pas tribal non plus. De quoi vous parlez? Vous parlez de quoi que tribal? AfriTube n'est pas tribal. Tu mets quelqu'un me dit que YouTube n'est pas tribal. Il va vous dire quelque chose. Hein. Quand le white crée sa chose, ce n'est pas en pensant à vous. Hein. Il faut que ce soit clair. C'est aussi quelque chose qui fait qu'on se trompe beaucoup dans nos vies. C'est pour ça que tu vois les noirs ici prendre... Ça, c'est une parenthèse. Tu vois les noirs ici prendre la crème solaire pour se balader. En Afrique, là-bas où ça brûlait nos peaux, là, tu mettais crème solaire. Vous voyez les whites faire leurs choses, vous pensez que ça vous concerne. Ça ne vous concerne pas. Quand le white fait sa chose, c'est pour lui. Il ne réfléchit pas à quel impact ça aura sur toi. Sauf si ça peut te permettre de lui donner son argent. Oui. Mais c'est pour lui. Et c'est vous qui venez vous greffer à leurs choses et leur donner de la force et vous faire exploiter. C'est juste à ça que nous, on sait ici. Là, nous ne sommes que des consommateurs. S'ils tenaient compte de nous quand ils font leurs choses, on n'aurait pas attendu 2021 ou 2000, là, le 21e siècle, pour avoir les fonds de teint de notre teinte. On n'allait pas arriver au 21e siècle avant d'avoir enfin des fonds de teint pour nous, du maquillage pour nous, des perruques avec notre texture de cheveux. On n'allait pas attendre le 21e siècle pour avoir tout ça. Il fallait attendre que vous vous réveillez, que vous sachiez dans quel monde vous êtes. Chacun fait ses choses pour valoriser sa chose. C'est vous qui aimez toujours vous coller sur les choses des autres. Meryl Kal, moi je suis Bamileke, je suis sur AfriTube. Caresse Fotso est Bamileke, elle est sur AfriTube. Quand tu dis qu'on ne trouve pas les artistes Bamileke sur AfriTube, je ne comprends pas. AfriTube ne demande pas aux gens leurs ethnies avant de s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire sur AfriTube comme il veut. On ne demande pas ton ethnie ou je ne sais pas quoi. Tout le monde peut s'inscrire. Qui m'a traité de tribaliste? Nathalie Carole. C'est moi que tu traites de tribaliste. Je suis désolée si mon message, tu ne le comprends pas. Hein. Mais tout le monde peut me traiter de tout le monde. On peut tout me dire, sauf ça. Moi, ça me fait même rire.
On peut tout me dire, sauf que je suis tribaliste. C'est que le problème, c'est que les gens n'aiment pas entendre la vérité. Et moi, je ne sais pas dire les choses en caressant, en caressant dans le sens du poil. Je ne sais pas faire ça. C'est un de mes défauts. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. Je suis brute de coffrage, comme on dit. Je ne sais pas dire les choses en tontonnant. Je dis les choses telles que je les vois et telles que je les ressens. Bam! Cache! Et c'est fini. Parce que je n'ai pas envie qu'on aille me prêter des mots. Ou qu'on dise que non, elle voulait plutôt dire. Non, je ne voulais pas dire. J'ai dit ça. Et de nos jours, les gens ne sont plus habitués à parler directement, concrètement, sincèrement. Les gens parlent toujours en connotation. C'est la connotation qui est devenue le nouveau modèle d'échange, en fait. Le nouveau modèle de dialogue entre les gens. La connotation. Quand les gens veulent s'exprimer, ils disent une chose qui peut vouloir dire plusieurs choses à la fois et qui va leur permettre de se rattraper si on les met au pied du mur. Non, 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 non. Moi, je dis ce que je dis, tel que je le dis, tel que je le ressens, tel que je le pense. Je sors les mots exactement, tel que je veux qu'ils soient. Voilà, tel que je veux qu'ils soient. Laisse Nathalie Carole développer, qu'elle vienne nous dire en quoi je suis tribaliste. Mon nom d'artiste, c'est Oshiga, O-S-H-I-G-A. Vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Ma musique est partout sur toutes les plateformes de téléchargement. Mes 3 singles, puisque je suis une jeune artiste, j'ai 1 an de carrière et je prépare mon EP. Voilà. Donc, il faut dire au Coco Agenté d'arrêter d'aller nous salir les endroits où elle passe là. Parce qu'il y a d'autres jeunes artistes qui arrivent derrière. Et nous, on n'a pas envie que tu gâtes le marché pour tout le monde. Voilà. Si vous estimez que vous êtes arrivé, vous êtes trop arrivé, vous êtes trop haut là-bas, nous, on se cherche encore. Donc, il ne faut pas venir gâter les choses. Nous, moi, je veux passer dans l'émission de Eric Nia. Donc, je ne veux pas qu'on l'enlève à la CIATI. Parce que moi, je veux qu'il m'interviewe. La manière qu'il vous a fait les bonnes interviews là, la manière qu'il vous a permis de vous exprimer, d'exprimer tout votre talent, de vous laisser vous exprimer tout ce que vous avez à dire là, nous aussi, on veut ça. Donc, voilà. Tu ne vas pas finir de passer et puis tu chies pour que personne d'autre ne passe. Tu vas venir ramasser ça. Tu vas venir ramasser la merde que tu as déposée. On ne veut pas. Moi aussi, je veux que Eric Nia m'interviewe. Voilà. Laissez-moi préparer mon EP et descendre au pays. Allez sur la chaîne nationale du Cameroun. Parce que c'est la chaîne de tout le Cameroun. Allez sur la chaîne nationale du Cameroun. Me faire interviewer par un journaliste talentueux. Oui. Et professionnel. Me faire interviewer par un journaliste qui ne va pas me demander si mes seins sont vrais ou faux. Comme Benjo de Benji. Oui. Ça, c'était une petite quenelle en passant. Fiout. On a envie d'aller sur un plateau, tu sais que tu vas aller t'asseoir, le journaliste va te regarder avec le respect et il va te poser des questions sur ton actualité, sur ton travail. Il va être professionnel, il va te vendre de la meilleure manière possible. Vous voulez tout pour vous seul? Il a fini de te recevoir récemment. Donc comme aujourd'hui, ce n'est pas comme tu veux, il faut gâter. Et puis personne ne va passer. Vous avez menti. Il ne va aller nulle part. Il va rester à la CIATV parce qu'il n'a rien fait. Ce n'est pas le journaliste qui fait les programmes à la CIATV. Ce n'est pas lui qui est le directeur de la programmation. Ce n'est pas lui qui fait les programmes. Il peut proposer. Le journaliste peut proposer un artiste ou bien une personnalité qu'il veut recevoir. Mais le dernier mot revient au directeur de la programmation. Ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Voilà. Attendez. Aïe, pourquoi ça fuit? Laissez-la, sa place est ici. Si elle est ici, c'est parce que sa place est ici. Merci, Derek. Belle et cervelée. C'est pas belle et. C'est pas une et cervelée. C'est belle et. E-T, cervelée. C'est un jeu de mots. C'est une chanson qui est même dans l'air du temps par rapport à Malika. Pour dire que ce n'est pas parce qu'une femme a une apparence super sexy ou osée ou qu'elle est belle ou tout ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de cerveau parce qu'en général, on réduit trop les belles femmes à leur physique. C'est pour ça que j'ai fait cette chanson. C'est mon seul clip disponible sur YouTube. Mes autres clips sont disponibles sur AfriTube. Et je vous mettrai le lien. Je pensais que j'avais mis le lien là en description. Je suis désolée, apparemment je ne l'ai pas mis. Quand je vais finir le direct, je vous mettrai le lien... mon Linktree.
mon arbre à lien en description. Donc, à partir de ce lien, vous aurez accès à toutes mes pages. En fait, vous verrez un peu tout ce que je fais. Vous pourrez cliquer sur différents trucs. Et puis, voilà. Attendez. J'essaie de lire vos messages hein, pour répondre. Avant, on regardait cette télé de merde jusqu'à ce que... On ne regardait pas cette télé de merde jusqu'à ce que Eric Nia arrive là-bas. Du coup, tout le monde regarde cette émission de merde. Ouais, quel seigneur. Non, arrêtez. Arrêtez. Les gens boudent, on boude la CIA TV depuis parce que tout le monde se plaint que les émissions ne sont pas intéressantes, etc., etc. Vous avez enfin quelqu'un qui a réussi à nous captiver à une émission. Tout le monde veut regarder. Enfin, quelqu'un qui nous donne envie de regarder notre chaîne nationale. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi là? Tibaliste. Quand on regarde même sa liste là, les Bamileke peuvent même se fâcher. Il y a combien d'artistes Bamileke qui sont passés là-bas? Dans les trois derniers mois. Allez sur le direct de Destiny la Baronne. Elle a pris le temps de détailler. Elle a cité les noms. Vous-même, allez écouter. Allez écouter. En trois mois, il a reçu deux artistes Bamileke. En trois mois, deux artistes Bamileke. Et quand il les reçoit même, regardez, l'idole avec Adero Jess, parce que l'idole est Bamileke. Il a reçu l'idole dans son featuring. Sa musique qu'elle fait, elle fait du slam. La langue même qu'elle a chantée là, c'est même pas le Bamileke dans sa musique. Il a reçu Nono Flavie. Nono Flavie chante en Douala. Donc, je ne comprends pas la paplée qui est sortie, dit qu'on veut bamilekaniser ou je ne sais pas ce qu'elle a dit, qu'on impose la culture Bamileke. Ou même les artistes qui sont passés là ne chantent pas les choses de la culture Bamileke. En trois mois, deux. Donc, les artistes Bamileke peuvent même se fâcher parce qu'ils sont sous-représentés, même quand on regarde même les quotas là. Mais est-ce que nous, on a le temps de ça? Nous, on travaille. On se cherche. Il n'y a pas le temps pour venir se plaindre, venir pleuncher. Non, 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 Derek, on ne paye pas 2 euros chaque fois qu'on veut écouter. Non, non, merci pour ta question. Merci beaucoup. On ne paye pas chaque fois qu'on veut regarder le clip. Tu payes une fois, c'est un droit d'accès en fait. Tu payes une fois, ça t'ouvre l'accès au clip et après tu peux le regarder autant de fois que tu veux, c'est à vie. Voilà, c'est juste pour débloquer l'accès au clip. C'est, on paye une seule fois. Nathalie Carole. La langue du singe, c'est laquelle? Quelle est la langue du singe? Laisse mes abonnés, viens discuter avec moi. C'est mon direct. C'est quoi la langue du singe? Les Bamileke sont habitués que quand on les insulte, ils disent Alléluia, Amen. C'est ça qui donne la force aux haineux de croire qu'ils sont forts. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Toujours, ça vient de nos parents, des soumis. En fait, c'est pas leur faute aussi. Hein. Avec la guerre, le génocide de Bamileke, ils ont été traumatisés. Il y a près d'un million de Bamileke qui sont morts. On n'en parle pas. Je sens que si c'était chez vous que c'était arrivé là, c'est qu'on ne respire pas. C'est qu'on ne parle pas. Vous aimez pleurer, vous les tribalistes. Vous aimez pleurer. Pleurer. Wow, 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 wow. Les gens n'ont qu'à arracher leur peau. On n'a qu'à se dépêcher, tanner nos peaux pour vous donner quoi. On n'a qu'à faire ça et puis on va respirer. S'excuser de quoi? C'est parce que je n'ai pas prévu la vidéo aussi pour attaquer tout le monde. Mais sachez, mes collègues artistes, que les déclarations que vous faites sont scrupuleusement étudiées. En tout cas, moi, les déclarations des personnalités publiques qui arrivent à mes oreilles, je prends mon temps pour bien comprendre. Lire entre les lignes et qu'on ne va pas se taire. Voilà, je suis artiste, mais je suis aussi blogueuse. Parce que je suis une communicante, parce que j'ai été formée en communication. Non, je ne peux pas m'empêcher d'exprimer tous mes talents, parce que ça va choquer les gens, parce que tel va dire que c'est votre problème. Vous avez vos artistes qui vendent aussi les crèmes, non? Vous avez vos artistes qui sont aussi influenceuses, non? Voilà, moi je ne suis pas influenceuse, je suis blogueuse. Mm-hmm. Voilà, et mon blog c'est pour l'éveil. L'éveil des consciences. C'est à ça que c'est mon blog. Donc, si je vois une personnalité qui veut perdre, qui veut emmener les gens à la perdition, je lui dis son nom.
Si je me trompe, la personne sort et elle me dit que je me suis trompée. Si je me suis trompée, que tu me prouves que je me suis trompée, je me retire et je m'excuse parce que c'est ça. Moi, je n'ai pas honte de dire que je me suis trompée. Je n'ai pas honte. Voilà, n'ayez jamais honte. Attendez, je dois lire ça là. Ouais, les filles, arrêtez de vous prendre la tête. J'ai l'impression que vous prenez la tête dans sur un malentendu. Ils vont dire que je suis pas à leur niveau. Niveau de quoi? À quel niveau? Meryl Cal, il faut me dire. À quel niveau? Leur niveau, c'est lequel? Leur niveau, c'est lequel et dans quel domaine? Niveau de quoi? Il faut être au même niveau que quelqu'un pour lui parler. Voilà Martin Camus Mim qui est en train de lire leur nom. Si on lui avait dit que c'est une petite comme Malika qui devait venir finir avec sa carrière, est-ce qu'il allait croire? Niveau artistique, Meryl Cal, là tu viens de faire un abus de langage, mais je ne t'en veux pas. L'art ne se mesure pas au nombre de likes. L'art, c'est l'art. Maintenant, la visibilité se mesure au nombre de likes. D'accord. Le talent se mesure au nombre d'adhérents. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, l'influence aux médias fait que certains ont plus de visibilité que ce que normalement leur talent aurait permis. L'influence aux médias, les relations, le réseau, la manière dont le showbiz est construit, fait que certains ont plus de chances, d'opportunités de présenter leur talent que d'autres. Sinon, moi là, c'est pas Yaya. J'ai confiance en moi, artistiquement parlant. Je ne doute pas de moi. Je n'ai pas commencé à chanter hier. Je suis sortie hier. Je me suis présentée hier. Je suis née en tant qu'artiste professionnelle il y a un an, oui. Mais je n'ai pas commencé à chanter il y a un an. Non. Mon inspiration, ça n'a pas commencé à arriver il y a un an. Si je peux me permettre de me placer ici, faire un blog, c'est parce que j'ai des mots. Si je peux faire un direct pendant 3 heures, je parle seul ici, non-stop, sans perdre mes idées, sans préparer un papier. C'est parce que j'ai l'inspiration. C'est parce que je suis talentueuse. Ce n'est pas un débat. Voilà. Elles ne peuvent pas venir se placer, me parler qu'on n'a pas le même niveau. Qui mesure le niveau là? C'est les likes? Si c'est les likes, elles viennent alors sur AfriTube me prouver qu'elles sont trop les grandes, grandes stars. Parce que nous, on connaît tous le game de YouTube. On connaît le game de YouTube. Moi, YouTube, je n'ai pas une équipe derrière moi. Mais aujourd'hui, je suis à 979 abonnés sur YouTube. Bientôt, je serai à 1000. Il y a des artistes qui chantent depuis avant moi qui n'ont pas le nombre d'abonnés là. Je n'ai pas une équipe, je précise. Je n'ai pas de webmaster. J'ai voulu prendre un webmaster au Cameroun. Quand on m'a donné le prix, j'ai dit que ce n'est pas pour moi. Pardon. Deux bâtons. Pour paramétrer ma page, tout ça. C'était avec mon premier titre, hein, Belle et Cervelée. Je me suis dit que maman, si pour une chanson, je dois déposer autant d'argent, donc je vais déposer autant à chaque chanson. J'ai dit non, je dois trouver une autre solution. Je dois persévérer, trouver une autre solution. Tout ça, la personne devait mettre mes clips aussi sur les chaînes, sur ceci, sur les Spotify, les plateformes et tout. J'ai dit non. Moi-même, je vais trouver parce que l'argent, c'est là. Les deux bâtons-ci là, je ne les ai pas. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la solution. Et que je vais moi-même trouver comment je vais apprendre à faire. Je vais me battre, je vais communiquer. Ma page a grossi. On a 950. Et je m'en occupe plus. Si j'étais encore sur YouTube là, c'est que j'ai fini avec ça depuis. Mais je ne gère plus YouTube parce que je me suis focalisée sur AfriTube. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle être cohérent avec son discours. C'est ce qu'on appelle être cohérent avec son discours. Je ne viens pas ici faire les activistes et tout. Et puis dans ma vie, je n'applique pas ce que je viens pas bavarder ici. Non. Tous les jours, je prône le consommer africain et je consomme africain. Voilà. J'essaye de faire ma part quand même. C'est Oshiga partout.
Oshiga, et sur Instagram, c'est Is Oshiga, tout attaché. C'est Oshiga partout, mon nom. Et le lien que je vais vous mettre en description à la fin, à partir de là, vous pouvez avoir accès à toutes mes pages, que ce soit, que ce soit Snapchat, Twitter, TikTok, vous aurez tout. Facebook, Instagram, tout. C'est ça, Franck. Oshiga avec un S. C'est ça. J'ai trop souffert de devoir vous plaire. Ah, si Dieu m'a créé, je ne peux le défier. Et peu m'importe les tracas. En lui seul, je gardais la foi. Tel le Christ, je porte ma passion. Comme une croix qui s'allège au fil des saisons. Oh, belle et cervelée, tu vas pouvoir apprécier. Belle et cervelée, je ne suis pas venue rigoler. Belle et cervelée, tu vas devoir t'y habituer. Belle et cervelée, jamais je ne renoncerai. Excusez-moi les amis, la voix gratte un peu. J'ai fêté mon anniversaire hier. Oui, parce que mon anniversaire c'était le 23 juin et j'ai fait un petit resto avec mes proches et mes enfants hier. J'ai bu beaucoup de vin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui buvaient le vin sur la table. Il fallait qu'ils boivent quand même, c'était mon anniversaire. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a maman? Diane a envoyé la pluie du stylo. Après les Africains, il a recommencé à faire ce qu'il avait fait. Et après, il m'a fait mal dans le derrière. Diane. Il t'a frappé? Non, on voit il a pris son stylo. Il t'a tiré? Oui. Il a pris le stylo, il a mis le stylo et ça, il a le petit filet masque. Et après, il a vu comment ça faire ça. Ça va aller, maman. Yako. Arrête, hein, Chayane. Je ne vais pas me jeter là. Ça commence à bien faire. Je rigole pas. Tu fais exprès, n'est-ce pas, pour qu'elle se mette à pleurer. Continue. Oui, pardonnez. Vie de maman. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire aussi d'autres en acapella? Qu'est-ce qui me... Mumbé. Bring back your memories. You are the sons of the sun. As-tu donc oublié que tu es à l'image de Dieu? Ta peau est de la couleur de la terre. Tes cheveux défient la gravité. Pas besoin de te décaper au risque de détruire ta santé. Mumbé, Gomende Numbole, Mumbé, le ciel est Mumbé, tout me dit j'allais, le ciel, vous me dit salé, Mumbé, 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 tout me dit j'allais. Mumbé, Gomende Numbole, Mumbé, 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 tout me dit j'allais. Fusia, vous me dit salé, Mumbé, il met le ciel. Voilà les amis, excusez les petites fausses notes et tout, rien n'est parfait, c'est le direct, c'est le direct, hein? Pardonnez, hein? Pardonnez les petites fausses notes, c'est le direct, c'est comme ça. Avec les fragilités, avec tout ce qu'il y a, avec ma voix fatiguée de la veille. Merci, merci pour vos cœurs, c'est gentil, c'est gentil. Vous pouvez aussi m'envoyer les étoiles, hein? Voilà, nous les artistes indépendants, on n'a pas les capes derrière nous. Ouais.
Nous, on n'a pas les crapauds derrière nous. Mumbe. Mumbe. Mou, ça veut dire enfant, en bafant. Mbe, ça veut dire la maison. Ça peut vouloir dire le village. Ça peut vouloir dire ton pays. Ça peut vouloir dire ta terre. C'est chez toi, en fait. C'est le chez toi. Donc, Mumbe, enfant de chez moi. C'est ce que je voulais dire dans ma chanson. Je vais vous faire un autre truc qu'on a capé là. En bafant. Une chanson qui n'est pas encore sortie. Meryl, tu vas me tuer. Ne teste pas, il y a les dangereux mélomanes qui retrouvent. Elle m'a tué. Attendez, j'ai envie de vous interpréter une chanson en bafant. Un court extrait qui est dans mon EP à venir. Normalement, je ne devrais pas le faire, franchement. Alors, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Petit truc. Je vais vous mettre la musique derrière. C'est mieux même aussi. J'ai oublié ça. Voilà les amis, merci. C'était mes. Je vous ai fait un peu écouter mon travail, ce que j'ai déjà eu à enregistrer et sortir. Parce que voilà, j'ai d'autres enregistrements, mais je ne les ai pas sortis. Voilà, c'est. Merci Martial. Donc voilà, je vous disais, je prépare mon EP et je compte sur vous, sur votre soutien. Comme je vous ai dit plus tôt, je suis une artiste indépendante, je me bats, hein, donc avec toutes les armes que j'ai. Ceux qui vont venir me dire ici que je cherche le buzz, c'est quoi, argenté, j'accepte, je cherche le buzz. Mm-hmm. Je suis artiste, non? C'est vous qui avez décidé que nous devons vivre ce match avec le buzz. Donc même si je cherche le buzz, ça fait quoi? Laissez-moi chercher le buzz. Voilà, ce qui est important là. C'est si ce que je dis est vrai. Voilà. C'est ça qui doit être important. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est pertinent? Que ça me donne le buzz ou pas après? Ou le mal? Ça a fait quoi? Vous-même, vos stars ne font pas le buzz. Donc, c'est quand ce ne sont pas vos stars là que ça, eux ne doivent pas faire le buzz. Il n'y a que vos stars qui doivent faire le buzz. Kono. On va faire le buzz là. Oh, ah. Cherche le buzz. Quand tu prends l'argent des gens et tu ne fais pas le travail, ça veut dire que toi-même tu aimes les problèmes. Toi-même tu veux les problèmes ou bien tu pensais que dans la team Afrique il n'y a pas de paplay. Il fallait te renseigner. Oui, oui. Jean-Baptiste, lui, il est peut-être calme. Il est dans son politiquement correct. Moi, je suis artiste. Il peut chier et puis rien ne va faire. Mm-hmm. Je peux déposer mon petit mourmourou et puis rien ne va se passer. Voilà. Mm-hmm. On vous a vu ici insulter la grande soeur. Donc, vous nous avez montré qu'on peut aussi vous faire ça. Et jusque-là, même, je n'insulte personne. Et moi, ce n'est pas mon éducation. Voilà. Ce n'est pas mon éducation. Je ne vais jamais venir ici insulter les parties intimes d'une autre femme, insulter le physique d'une autre femme. Sauf si elle m'a attaqué aussi, c'est ça. Elle. Oui, parce que je peux en faire. Si tu veux venir insulter mon physique, il faut que toi, tu sois prête. Parce que si tu n'es pas prête là, oh. Si tu n'es pas prêt, tu vas pleurer. Oh. Et c'est toujours comme ça. Quand nous, là, on nous attaque, personne ne voit, personne ne parle. Mais quand tu vas répondre, comme toi, tu as le sang du maquereau, ou comme toi, quand tu parles, ton volume est fort, on va dire qu'elle aime les problèmes, elle est comme ça, elle est comme ça. Quand je viens parler, vous ne connaissez pas ce que j'ai déjà encaissé. Et là, je parle de ma vie privée. Je n'ai aucun problème avec Coco Argenté. Ne venez pas faire l'amalgame. Je n'ai aucun problème personnel avec Coco Argenté. C'est des problèmes professionnels. Voilà. Et je parle d'elle par rapport aux actualités aussi dans le cadre de mon blog que je tiens ici là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Coco Argenté, soit tu viens travailler sur afritube.com comme tu t'es engagé à être ambassadrice. Donc, on attend tes clips, tes derniers clips sur afritube. Bah, nous aussi, nos auditeurs afritube,
nos internautes AfriTube, eux aussi, ont besoin de rejoindre, de recevoir ta musique. Tu ne peux pas être ambassadrice et tu ne peux pas mettre ta musique uniquement sur une plateforme concurrente. C'est les foutaises. Ça envoie quel genre de message? Le message que ça envoie, ça veut dire que AfriTube ne te convient pas ou AfriTube te déçoit. Bah, tu ne peux pas venir, tu étais avant là-bas. Tu viens aujourd'hui que je suis ambassadrice ici et le lendemain, tu peux remettre ta musique là-bas. Tu te fous de qui? De qui se fout-on? Tu es en train d'envoyer quoi comme message à tes fans à qui tu as dit hier que tu étais abonné, tu étais ambassadrice AfriTube. Tu es en train de leur dire que AfriTube n'est pas compétent. C'est pour ça que tu repars où tu étais. Alors que ce n'est pas ça la raison. C'est la fainéantise, c'est tout. Vous avez la flemme de travailler. Vous voulez que nous, les petits artistes, on vienne fabriquer AfriTube et après vous allez venir rafler tous nos abonnés. Vous avez menti. Vous avez menti. Vous allez walk ou bien tu bacs les dos. Voilà. Soit tu walk, tu fais ce pourquoi tu as choisi les dos, soit tu bacs les dos. Pas là, pas vous casser le sens du poil. Vos diva. Une diva, ça se respecte. Vous aimez les grands noms, les grands titres, vous donnez les grands noms. Ça se respecte. Une diva, ça a une parole, pas 14 paroles. Une diva, ça fait ce que ça dit. Ça a de l'honneur, de la dignité. Une diva, ça a des principes, des valeurs, une idéologie, whatever. Mais quand tu viens, elle a signé avec AfriTube.com. Elle a signé avec AfriTube pour être leur ambassadrice. Elle a porté le t-shirt, elle est venue faire la vidéo ici. Moi-même, j'ai vu la vidéo pour nous dire qu'elle est ambassadrice. Tout ça, c'est parce que Jean-Baptiste ne m'écoute pas. Il dit ça ici, Rora. Il t'avait dit de ne pas aller travailler avec les artistes. Je t'avais conseillé. C'est lui le patron. C'est pas mon boss. Après, on vous connaît. On avait parlé. Je t'ai dit ma position. Que pour moi, si tu veux travailler avec les artistes au Cameroun, va chercher des artistes qui ont la même idéologie que toi. Ne pas chercher les commerçants, les gens qui pensent seulement à leur argent. Ils vont prendre tes dos et ils ne vont pas faire le travail. Je n'ai pas fini de parler. Voilà ça. Voilà ça. La majorité des artistes avec qui il allait travailler au Cameroun, ils ont choisi les dos. Personne ne veut faire le travail. Parce que c'est ça l'Africain. On aime où c'est déjà marché. On va se m'ouvrir la bouche et puis on va nous nourrir avec. C'est comme ça qu'on nous empoisonne donc. Parce que nous sommes des consommateurs. Comprendra qui pourra. C'est comme ça qu'on vous fait consommer ce qu'on veut. On fait de vous ce qu'on veut. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Parce que vous ne savez pas faire pour vous. Ou bien quand un d'entre nous a le courage de faire pour lui, les autres ne vont pas soutenir pour deux raisons. Ah, ça doit être nul. Mieux, je pars où c'est déjà bien. Mais où tu pars où c'est déjà bien là, c'était nul avant. C'est parce que les gens ont soutenu que c'est devenu bien. Ou deuxième raison, oh, il va me dépasser. Pourquoi lui et pas moi? Mais si tu ne le soutiens pas, quand tu vas faire ta part aussi, on ne va pas te soutenir. Personne ne va dépasser personne. On va rester là. Et on va continuer à consommer pour les autres. C'est tout. Avec ce genre de comportement, comment on va avancer? Même si je n'étais pas artiste, j'allais sortir dans l'affaire-ci. J'allais sortir parce que c'est un comportement anti-panafricaniste. Voilà. Tu ne peux pas venir escroquer une entreprise afro. Non. Tu ne peux pas faire ça. Qui est première dans son genre? Parce que YouTube est leader. Nous, Africains, nous n'avions pas une plateforme comme ça pour nous. On a enfin quelqu'un qui a eu le courage de se lancer, de le faire. Et tout ce que vous vous trouvez à faire, c'est venir saboter. Parce que c'est du sabotage. Si vous pensez que le sabotage, c'est seulement aller parler mal de quelqu'un ou de quelque chose, ce n'est pas ça. Le sabotage, c'est nuire au bon fonctionnement de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça le sabotage. Quand on vient dans les directs de Oshiga, ici là, on vient avec le dictionnaire. Parce que nous, on aime utiliser les mots tels qu'ils sont. Pas les mots pour ce qu'on veut dire. Comme quand vous dites que la femme doit être soumise. On vous dit que soumission, c'est l'esclavage. On te dit que non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pour dire que la femme doit respecter. Mais dis alors que la femme doit respecter son mari. Ne dis pas que la femme doit être soumise. Parce que soumission, c'est soumission. Vous n'allez pas changer la signification pour enjoliver les choses. Non. Soumission égale esclavage. C'est comme ça. Vous n'allez pas venir transformer la langue des gens. C'est leur langue. Ils ont dit que ça signifie ça. Donc ça signifie ça. Ce n'est pas vous qui allez venir changer. Et beaucoup de gens ont dit c'est comme ça qu'on parle. Comme je disais tout à l'heure en connotation, on dit des trucs. Et après, quand on est au pied du mur, oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais plutôt dire non.
Utilise les mots, frère. Utilise les mots en français pour dire ce que tu veux dire ou tu parles ta langue. Et tu utilises les mots tels qu'ils sont pour dire ce que tu, pour exprimer ce que tu ressens, ce que tu penses. Voilà. Donc, s'il vous plaît, merci de partager la vidéo pour que ça arrive à destination. Et pour faire savoir, multiplier, il faut que les gens comprennent aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est vraiment une expression pour tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Nous tous, nous pouvons nous exprimer. Vous avez vu comment la mobilisation du digital, vous avez vu ce que ça a fait sur l'affaire de Malika. Donc, j'espère que les Camerounais ont compris qu'ils ont du pouvoir entre les mains. J'espère que vous avez compris ça. Le pouvoir, c'est nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous, le peuple. C'est nous, le pouvoir. Si on n'est pas d'accord sur quelque chose là et qu'on se lève pour ça, la chose ne se fera pas. Vous devez comprendre ça. Donc, si vous êtes pour, si vous savez que Eric Nia fait du bon travail à la CRTV, si vous savez qu'il nous enjaille, et que c'est un bon exemple de professionnalisme, vous n'allez pas permettre la sorcellerie qui est en train de se faire, la cabale là. Non, je ne suis pas d'accord. Arrêtez ça. Je ne viens pas le défendre parce qu'il est Bamileke. Je viens le défendre parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. Oui. Et je viens parler de Bamileke parce que j'en ai marre que dès que quelque chose ne fonctionne pas, vous accusiez toujours les Bamileke. On cherche toujours comment on va tomber. On cherche, est-ce qu'il y a un Bamileke qui traîne dans les parages, dans le truc. Dès qu'il y a un Bamileke, allez, c'est lui, c'est forcément sa faute. Il faut arrêter. Je vends mon piment sur le comptoir de ta mère. Tu vois, non? Où ta mère vend souvent pour elle, là. Voilà. J'ai pris la relève. Que non, maman, tu as trop fatigué. Pardon, il faut aller te reposer. Laisse ta fille fraîcher la force. Donc, elle m'a donné son comptoir. Tu as une autre question? Connerie. Oui, il faut même miser sur les artistes des autres pays africains, c'est mieux. C'est ce que moi aussi je pense. Hein. Moi, la Côte d'Ivoire, par exemple, ça c'est un pays où s'il part là-bas, s'il arrive à copter certains là-bas, ils vont faire le travail. Ils vont faire le travail. Et je rejoins donc Destiny la baronne de Suisse, quand elle dit que vous ne respectez pas les choses de notre pays, c'est vrai. Tu peux pas plaquer toute une chaîne nationale, toute une émission comme Kamel Feeling, Cameroun Feeling. Tu plaques, on te demande de faire juste une vidéo pour t'excuser à tes fans et dire que tu ne pourras pas être là. C'est tout. Non, toi tu es une diva, tu fais pas. Et puis toi tu choisis que bon, maintenant que je suis prête, tu vas aller sur Tanta Mikken. On t'a dit niette et c'est bien fait. Il faut plus de directeur dans ce genre avec du charisme. Que vous sachiez que vous ne pouvez pas chier sur les Camerounais. La chaîne nationale, c'est la chaîne de tous les Camerounais. Donc, si tu refuses de t'excuser alors que tu as donné un rendez-vous aux Camerounais, ça veut dire que tu manques de respect aux Camerounais. Qui t'ont mise où tu es pas. Et sans eux, tu n'es rien du tout. Voilà. Même pas dollar. Tu n'es rien. On est là. Sans les Camerounais là, tu n'es personne. Voilà. C'est eux qui t'ont mise où tu es. Personne d'autre. C'est les Camerounais qui t'ont mis où tu es. Moi, je n'ai pas encore les insulter. Pareil, pour l'instant, là, je me bats encore seul. Mais toi, tu n'as pas le droit de venir manquer de respect à toute la nation. De venir chier sur notre chaîne nationale. C'est un symbole. Oui. Ça reste un symbole. Même si on critique la CIA, tu dis, c'est pour nous. Mais ce n'est pas toi qui vas venir encore. Alors que tu as voyagé, les choses que tu ne peux pas faire ailleurs. Tu étais là-bas en Côte d'Ivoire, tu pourrais tenter. Tu as cœur de faire ça. Il fallait louper une émission en Côte d'Ivoire, on allait voir. Il fallait louper, on voit. C'est toujours avec vos frères que vous venez faire du n'importe quoi. Tu viens signer un contrat, tu ne le respectes pas. Tu as cœur de faire ça ici en Bain, signer un contrat et puis tu ne respectes pas. Tu peux tenter ça. Vous allez faire ça avec vos frères parce qu'ils vont se laisser faire. Moi, ils ne me laissent pas faire. Non, si je ne peux pas attaquer légalement, je peux venir te dire ton vrai nom ici là. Et je peux dire à tout le monde, que tout le monde sache. Oui. C'est ça qui est ça. Il faut que vous arrêtiez cette sacralisation de croire que dès qu'on passe à la télé, on ne peut plus te dire ce qu'on pense. On vous dit ce qu'on pense. Il n'y a pas besoin de t'insulter. Il n'y a pas besoin de t'insulter comme les gens font sur la toile là. D'insulter, je ne sais pas quoi, ta vie, ta famille, ta vie que je ne connais pas d'ailleurs, heureusement. Voilà, je tiens à le préciser. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans la vie des gens. Ce n'est pas ce qui est important. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Je le précise pour ceux qui ne sont pas habitués à mes directs. Je parle fort comme ça. Je suis comme ça, mais je ne suis pas une agressive. Je ne cherche pas à faire du mal aux gens. Je veux faire entendre ma voix et mes principes.
C'est tout. Ah, voilà le, voilà, voilà le président, le boss de AfriTube. Il est dans le direct. On t'a tagué. Tu as raison, nos artistes sans aucune éducation qui se prennent pour des divas. Mais oui, oui, pour te faire respecter, si tu veux qu'on te respecte, il faut te respecter. Ta parole n'a aucune valeur à partir du moment où c'est pas respecté sur toi. Et respecter quoi? Hein? Il est temps que vous compreniez que vous n'êtes rien sans le public. Rien du tout. Quand j'ai commencé mes combats ici, tout le monde m'a dit que non, tu vas tuer ta carrière avec ça. Je leur ai dit quoi? Moi, ma carrière, c'est le public. Ma raison d'être devant la scène, c'est le public. Donc, si le public souffre, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas enjoy, remplir les salles, faire les foules. Et puis, je dors tranquille, sachant que le public qui remplit mes salles n'est pas à l'aise, a faim. Je les vois mourir dans les accidents parce qu'il n'y a pas les voitures. Je vois qu'il n'y a pas les soins, il n'y a pas la sécurité sociale au Cameroun. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Je ne peux pas voir tout ça et ne rien faire. Je n'ai pas les moyens financiers de faire, mais j'ai ma bouche. Et ma bouche peut changer quelque chose. Alors je me dois de faire quelque chose. Laissez-moi vous dire que c'est plus facile d'aller faire les dons à l'orphelinat que de venir se placer ici, parler comme je fais là. Je vous le dis. C'est beaucoup plus facile d'aller faire les dons à l'orphelinat et puis filmer et puis monter à la face du monde que de venir se placer ici et prendre position comme je fais là. Parce que ce que je suis en train de faire, c'est un réel sacrifice. Je me mets en danger. Je risque ma carrière. Voilà ma page Facebook. On a restreint. Les publicités qui me donnaient un peu les miettes là, ils ont coupé ça à cause des choses que je dis ici. Pour vous dire que si je n'ai pas peur de perdre certains avantages, si je n'ai pas peur de perdre certains privilèges, ce n'est pas de vous, vos insultes, que je vais avoir peur. Voilà. Pourquoi agenter, c'est une femme comme moi. D'après elle-même, on a le même âge. Parce que si elle a 36 ans, moi j'ai 36 ans. Si elle est en 85, ça veut dire qu'on a le même âge. Ou du moins, c'est la même génération. Donc, je peux m'adresser à elle. Je suis artiste, elle est artiste. Je peux m'adresser à elle. Qu'elle ait 60 ans de carrière et moi un an, ça ne change rien. Quand tu n'aimes, tu n'aimes. Ce n'est pas parce que tu as 74 ans de carrière que ton aime doit être toléré, doit être accepté et qu'on doit fermer nos bouches. Allez voir, allez dire ça à Kelly là-bas. Oui, il a un dème, on lui a dit son vrai nom. Il a assis avec ses camarades là-bas qui sont comme lui, qui font les saletés qu'il fait. Nous tous, on a aimé la musique d'Akeli. Parce que quelqu'un m'a écrit, c'est quelqu'un qui n'a pas dansé Coco Argenté. J'ai dansé Coco Argenté. Même son dernier son là, j'ai fait une vidéo, je ne l'ai juste pas postée. Je ne l'ai juste pas postée. Je voulais la poster, j'ai fait la vidéo, c'était là. J'avais dit que je vais poster, mais je ne sais pas, mon corps est lourd. Ça ne voulait pas sortir. Maintenant qu'il y a eu son nouveau scandale là, je comprends que je ne vais même pas poster. Et je suis pas en train de dire que c'est mon poster qui va changer quelque chose dans sa promo. Je sais que ce n'est pas mon petit poster là qui va faire quelque chose. Mais moi, je suis droite dans ce que je fais en fait. C'est-à-dire que je suis cohérente dans ce que je dis et dans mes agissements. Mes agissements doivent être compatibles avec ce que je dis. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça rime. Et ça rime. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, qu'elle y est couché là-bas. Dia, c'est mon... Oh. Le king du R&B. Un gars qui écrivait pour Michael Jackson. Il voulait me parler que on l'a foutu en prison avec tout ça. Avec tout le palmarès là, on a foutu ça en prison. Et rien ne fait. Rien ne s'est passé. Le monde ne s'est pas... La terre ne s'est pas inversée. Non. La terre n'est pas devenue carrée. Le monde a continué d'avancer. Parce que quand tu t'aimes et quand tu es placé à un certain niveau, tu dois respecter ton statut. Si tu ne respectes pas toi-même la position où les Camerounais t'ont mis, nous, on va te rappeler d'où tu es quitté. Vous voyez un peu? Voilà. Puisque là où tu es aujourd'hui, tu n'arrives pas à respecter cette place-là, te comporter. Et vous êtes toujours dit ici que ceux qui sont au sommet ont plus à perdre que nous qui sommes en bas là. Par exemple, nous, on va les manger. Nous, on n'a rien à perdre. Nous, on veut monter. Donc, on va taper partout pour monter. Mais vous, vous êtes là-bas. La moindre petite erreur comme ça là, allez, tu chutes. Donc faites attention à vous, à ce que vous faites, à ce que vous dites, à vos agissements. Ne croyez pas que être au sommet vous protège. Bien au contraire, ça vous expose encore plus. Vous avez beaucoup plus à perdre que nous.
Donc, comportez-vous bien. Il ne peut pas être au niveau de Coco à Santé. Et puis moi, je vais venir escroquer une petite entreprise. Il ne peut pas prendre l'argent des gens. Je ne donne pas. C'est toi qui es le problème. Elle est danseuse. C'est toi qui es le problème. S'il faut arrêter. Ça veut dire qu'à un moment, tu es le problème. À un moment, tu es le problème. C'est tout toi, on entend dans l'histoire que tu as pris l'argent ici, tu n'as pas rempli la condition. Tu as pris l'argent ici, tu n'as pas rempli ta part de contrat chaque fois. Et cette fois-ci, avec Nia, c'est trop. Avec le problème, avec Nia, là, j'ai trouvé que c'était trop. C'était trop. C'est quoi? Vous allez emprisonner, vous allez garder tout un peuple en otage. On doit marcher selon vos désirs. Pourquoi? Le Cameroun, c'est pour vous seul. On ne veut plus de ce Cameroun ou parce que tu as un petit nom ou parce que tu connais tel, tu vas venir imposer du n'importe quoi aux gens. On ne veut plus de ce Cameroun-là. Qui que vous soyez, vous chiez maintenant, on va vous dire votre nom. On ne veut pas de ce Cameroun. On ne veut plus de ça. Voilà. Vous-même qui avez été pauvre, vous vous plaignez à l'époque de ça. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez faire ça. Kissi Kaba, il ne m'épile pas. Voilà. Tu as ta réponse. Donc ne viens plus jamais me dire ça ici. Sinon, il te bloque. Parce que c'est pas ton corps. Il ne te dit pas quoi faire de tes sales poils que tu as sur toi. Il ne te dit pas quoi faire de tes poils rassis sur toi. Donc ne viens pas me dire ce que je dois faire des miens. Ils m'appartiennent. Ils ne sont pas à toi. Et je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta fille. Je ne suis pas ta soeur. Qu'est-ce qui vous prend même souvent? On va vous dresser. Vous allez être éduqué par force ici sur ma page. Vous allez enquêter, vous allez enregistrer en fait que vous devez vous occuper. Vous n'êtes pas sur terre pour vous occuper de ce que les gens font de leur vie, de leur corps. Vous êtes là pour vous améliorer vous-même et pour réaliser votre chemin, pour réaliser votre mission à vous. Donc arrêtez de vous concentrer sur les gens et concentrez-vous sur vous. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu parles, un autre énergumène est venu dans mon IB me dit la même chose. Quand je parle, je lui réponds. Il me dit que oui, tu ne veux pas qu'on te critique, mais tu parles des autres. Tu m'as vu parler des poils de quelqu'un ici? Vous m'avez vu parler du corps de quelqu'un ici? Dire à quelqu'un comment il doit s'habiller? Dire à quelqu'un quelle quantité de poitrine il doit avoir? Dire à quelqu'un comment il doit se coiffer? S'il doit s'épiler? Vous m'avez déjà vu faire ça? Vous m'avez déjà vu dire à quelqu'un s'il doit être avec un gars plutôt qu'un autre? Vous m'avez déjà vu dans ça? Vous avez un problème de compréhension? Vous m'avez vu dans ça? Ce qui touche la vie privée de quelqu'un, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas le droit de venir juger ça en public. Je peux faire même le Congo ça si je veux derrière. Parce que je suis un être humain. Nous tous on fait le Congo ça. Je ne vais pas faire ça. Nous tous on fait. Je peux faire même le Congo ça derrière, oui, dans le pire des cas. Mais je n'ai pas le droit. Je ne vais jamais venir me placer ici là pour parler de la vie privée de quelqu'un. Parce que c'est sa vie privée et ça ne me regarde pas. Je n'ai pas à juger. Voilà. Je viens parler de Coco Argenté par rapport au contrat qu'elle a signé avec AfriTube et qu'elle n'a pas respecté. C'est professionnel. Et je viens parler de l'incident qui s'est passé à la CIA TV. Parce que la CIA TV appartient à tout le monde. Parce que Eric Nia est une personnalité publique. Il est inscrit au patrimoine camerounais de la même manière que Coco Argenté. Parce que j'ai l'impression que vous croyez qu'il n'y a que les chanteurs et les footballeurs dans le pays-ci. Vous pensez que c'est les seuls artistes? Les gens des médias, ce sont des artistes aussi. Les journalistes aussi, c'est aussi la vitrine du Cameroun. Leur travail aussi important. Les stylistes aussi, ce sont des artistes. Avant de venir vous placer devant vos caméras et dire qu'on n'est pas de la même classe. Ce sont des artistes. Vous n'avez aucun talent. Voilà. En tout cas, ce n'est pas par rapport à vos talents qu'on vous connaît. Si vous en avez, ce n'est pas par rapport à vos talents qu'on en connaît. On vous connaît. Donc, il est temps que vous respectiez les artistes dans ce pays. Vous respectiez les gens qui ont une vraie profession. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous respectiez le travail des gens plutôt que de respecter les acquis des gens. Bah, tous les acquis ne sont pas mérités. Tous les acquis ne sont pas légitimes. Voilà. Vous allez respecter le travail des gens. Les accomplissements des gens. Pas les possessions des gens. Parce que c'est ça au Cameroun. On respecte ce que tu as. Pas ce que tu as accompli. Ce que tu as. Sans chercher à savoir comment tu as eu ça. C'est tout ce que les gens regardent. Après, vous vous étonnez que vos filles essayent d'avoir aussi par n'importe quel moyen parce qu'elles se sont rendues compte que on ne s'intéresse pas à la manière dont les gens accomplissent. On s'intéresse à ce qu'ils ont. Et laisse-moi, je suis au travail. Laisse-moi.
Donc vous devez arrêter ça. On veut des vrais, on veut que notre pays retrouve des vraies valeurs. Les vraies valeurs, des valeurs dignes, des valeurs qui ne nous foutent pas la honte aux yeux des autres. Nous, on est dehors ici. Hein. Vous pensez que la diaspora est souvent aussi remontée contre les choses qui se passent au pays? Pourquoi? Parce que nous, on marche ici, on côtoie d'autres nations. Et qu'on se moque de nous. On se moque de nous. Regardez le Cameroun, c'est dans votre pays seulement qu'on voit qu'il y a ça, ça, ça. Ils rigolent. Oh, c'est dans votre pays seulement qu'on voit les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et ils rigolent. Et nous, on est mal à l'aise. Tu ne peux même pas parler du pays des autres. Parce que dès que tu ouvres ta bouche, on dit que ferme ta bouche. C'est pas dans ton pays qu'on fait comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas dans ton pays que les femmes accouchent, qu'on a ouvert le ventre d'une femme à l'entrée de l'hôpital. C'est pas dans ton pays qu'il y a les accidents de voiture tous les jours. Il n'y a même pas les routes chez vous. Ça, c'est les Ivoiriens qui me disent ça tous les jours. Il n'y a même pas les routes chez vous. Dès qu'ils te lancent ça, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Donc, vous allez arranger notre pays là, par force. On va arranger le pays là, par force. Parce que c'est notre pays à nous tous, encore une fois. Ça ne vous appartient pas. C'est pour nous tous. Vous n'avez pas gâté notre pays pour votre gloire. Pour votre gloire. Non. Parce qu'après vous, le Cameroun sera toujours là. Vous, vous allez passer. Le Cameroun sera toujours là. La terre, peut-être pas le nom Cameroun, ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, qu'on change un jour ce nom Cameroun-là. Qu'on choisisse nous-mêmes un nom que nous-mêmes on aura choisi, qui nous représente nous tous. Oui. Notre terre sera toujours là. Et vous, vous allez passer. Donc, ne venez pas gâter notre terre pour laisser aux enfants une terre pourrie. Non. Non. Chaque génération a ses combats. Si vous n'êtes pas conscient de ça, c'est votre problème. Moi, je suis conscient. Je sais quelle heure il est. Je sais quelle heure il est. Et quand je vois toutes les sorties des gens ces derniers temps, je me rends compte que, ah oui, oui, oui. Je suis fière de moi, de n'avoir jamais cédé à la pression et d'être toujours sortie à mon âme et conscience pour les causes qui me portent à cœur, qui me tiennent à cœur. Oui, je suis fière de moi. Parce que c'est une nouvelle ère. Le 6 est en train de devenir 9. C'est une nouvelle ère. L'Afrique, le Cameroun est en train de voir une nouvelle ère. Les choses sont en train de changer. Et on va profiter du vent qui est en train de souffler là. Que le Cameroun établisse de nouvelles bonnes bases, des bonnes mœurs. Votre tribalisme, votre haine, vous n'allez pas gagner avec ça au Cameroun. Ça ne va pas marcher. Vous pouvez essayer casse-tête, ça ne va jamais marcher. Ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas détruire notre pays. Vous mentez. Ça dit que des gens, quand eux, ils ne sont pas satisfaits, quand ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent, il faut chier, gâter pour tout le monde. Non. Non. Pourquoi Argentine n'a pas le droit de faire un scandale parce qu'on a refusé de la recevoir à Tamta Miken? Elle n'a pas le droit. Moi, on a refusé de me recevoir à Radio Siantou. Je n'ai pas fait un tapage. D'accord? Je n'ai pas fait un tapage. Pourtant, l'animateur avait pris ses perdièmes. Il n'a pas fait un tapage. D'accord? Toi, tu as encore moins le droit de le faire parce que la veille, tu as plaqué la CIA TV. Donc, en gros, tu es en train de nous dire que toi, tu as le droit de plaquer la CIA TV quand tu veux. Mais quand tu as besoin de la CIA TV doit être là pour toi. Merde! Vous vous rendez même compte des choses que vous encouragez? Vous vous rendez compte? Et quand nous, les petits artistes, on va arriver, on va nous dire que non, les petits artistes doivent payer pour passer. C'est les artistes reconnus qui peuvent passer comme ils veulent. C'est vous-même qui leur donnez c'est vous-même qui leur donnez le poids de vous traiter comme ça. C'est vous-même qui leur donnez ce poids-là. Parce qu'au Cameroun, on te montre bien que toi, tu es artiste non-name et que les autres sont artistes reconnus. Ils ont ce truc-là. Que les artistes non-name et les artistes reconnus. Vous mettez un non-name sur le nom de quelqu'un. Donc, Oshiga, ce n'est pas un nom. Non-name, ça veut dire pas de nom. Vous êtes sérieux? Donc, vous insultez mes 17 000 personnes qui me suivent ici-là. C'est rien pour vous? C'est rien? C'est personne? Vous allez respecter le travail. C'est de ça qu'il s'agit. On a dit que c'est fini la médiocrité. On ne veut plus la médiocrité dans notre pays. Vous allez respecter le travail, les gens qui travaillent et le travail des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. On est resté même un peu trop longtemps.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vais m'arrêter là. Merci à vous. Vous avez été nombreux, c'est gentil. Merci à ceux qui ont partagé. Grand merci à vous. Merci à ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Merci à ceux qui sont allés visiter mes pages. Parce que j'ai vu que pendant les directs, certains sont allés visiter. C'est super cool. Merci à vous. Et je vous dis à une prochaine. Moi, mes directs, malheureusement, je ne préviens pas. Ça vient comme ça vient. Et puis, je balance. Je ne préviens pas, je ne me prépare pas. Donc, malheureusement. Et mes directs, même quand j'avertis, en général, c'est les moins bons. Mes meilleurs directs, c'est les directs spontanés comme celui-ci. Donc, voilà, ne vous attendez pas à ce que je prévienne souvent pour mes directs. Ceux qui sont déjà habitués ici, ils savent ça, ça vient. Donc, activez seulement votre cloche de notification, abonnez-vous. Et on se donne rendez-vous pour un prochain direct édifiant, spirituel. Parce que tout ce que je fais est spirituel. Tout ce que nous faisons est spirituel avant de se manifester physiquement. Donc, rendez-vous à un prochain direct pour parler d'éveil, de spiritualité, toujours d'art et de fête société. Voilà, j'ai du mal à vous quitter. Hein. J'ai du mal à vous quitter. J'étais vraiment très contente de voir vos réactions, de vous voir aussi actif. Ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, je me sens soutenue et je vous en remercie. Donc, je vous encourage à aller. Je vais mettre en description, comme je vous ai dit, mon lien. Un lien qui vous permet de dérouler. Avec vous, cliquez dessus, vous allez voir se dérouler toutes mes pages du coup. Toutes les pages que j'ai. Voilà, vous allez trouver. Et puis, ceux qui veulent s'abonner, ceux qui veulent contribuer, il y a aussi mon lien PayPal là-dedans. Ceux qui ont envie de me donner quelque chose pour me soutenir, ce sera la bienvenue aussi. Je vous aime très fort. Le Cameroun reste un. Quand je dis reste un, nous restons frères. Ce sont nos différences qui font la beauté de ce pays. Donc, ne détruisons pas nos acquis, en fait. Tout ce qui fait notre beauté, c'est ça, c'est notre différence. Donc, ne laissez pas les gens frustrés. Ne laissez pas les gens frustrés, parce que c'est de la frustration, rien d'autre. Ne laissez pas les gens frustrés rentrer dans votre cerveau et vous et semer des graines de haine, des graines tribalistes. On n'a pas besoin de ça. Voilà, ça n'apporte rien de bon. Regardez le Rwanda, ça ne leur a rien apporté de bon. Donc, voilà. Nous, on n'a pas envie de devenir le Rwanda. Ça n'arrivera pas. Et toutes les personnes qui veulent ramener le Ndem, la saleté dans notre pays, qui veulent ramener les histoires tribales là, c'est vous-même qui allez vous casser la figure. Parole de Ménissier. Vous-même, vous allez vous casser la figure. L'oracle ne se tait pas. Mumbe, tu manges un jalei. Mumbe, demandez-nous voler. Bon dimanche.